Putain, ça déconne pas dès le début du stream. Bienvenue à toi, on se retrouve pour un nouveau The Big Game of Ski. Aujourd'hui, c'est du shmup pas trop vieux qu'on ressort vu que ça date des années 2000. Et ce shmup, il a un nom, dis-moi tout, c'est Dimao. Ouais, le jeu de mots était un petit peu fastoche. Alors, Dimao, c'est un jeu wrestling issu d'une série de 3 épisodes, je crois, développés par la même team. Et donc, on commence par le plus récent, en fait, le dernier qui est sorti. Alors, ce qu'il faut savoir de Dimao, je le connais pas plus que vous, hein, c'est que c'est un shoot 'em up dragonesque. Que voulait-il dire par là? Je crois que les images vont peut-être parler beaucoup mieux que moi. Envoyez la purée, je vais faire mon petit fail d'intro. Non? What the frag? On va enlever ce petit flyer sympathique au demeurant, mais un peu encombrant. Eh oui, Daimahou, forcément ils vont bien sa sauce, hein, le pépère. Vous passez à côté de la borne, rester indifférent, c'est quand même un exercice de haute difficulté. Alors, démarrage, on a 3, 4 types de vaisseaux. Moi je vais prendre celui qui arrose, comme d'habitude. Donc celui qui arrose, c'est celui qui a le gros range, c'est celui-là. Alors, de mes rappels, on a un tir normal plus un tir appuyé qui, en fait, quand vous avez des devices sur les côtés du vaisseau, les envoie en avant. En mode un peu kamikaze pour aller défoncer la gueule du monstre un petit peu trop entreprenant et insistant. Donc ça peut s'avérer pratique, mais c'est un truc qui se recharge bien entendu avec une jauge. Nous ne sommes pas dimanche. Eh oui, bande de gourmands. Pourquoi dit-il nous ne sommes pas dimanche? Alors là, il va falloir que tu regardes des anciens streams, mon pote, et tu connaîtras pourquoi à chaque fois je parle de la jauge, j'évoque dimanche, puisqu'il n'y a que le dimanche que je peux dire. La fameuse jauge de la jungle. Mais vu qu'on n'est pas, je ne le dirai pas. Oups. Revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu? Bah oui, c'est sympatoche, quoi. C'est beau, c'est récent, c'est de la haute technologie au service de l'amusement. Oh, comment je te vends ça, dis donc. Ouf, fallait chercher celui-là. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore du gros pattern de Gorée, mais je pense qu'il y a moyen que ma misère ne tarde pas à arriver. Puisque je vous le rappelle, on est au premier niveau, et au premier niveau, l'idée c'est quand même de vous donner envie d'accrocher au jeu. Donc autant pas vous mettre une branlée dès le démarrage, ça se fait pas trop par chez nous. Peut-être falloir que je l'essaye mon tir qui détoie, tiens. Voilà. Ah, mais il est déjà mort ce con. Bon bah voilà. Donc ça c'est le tir quand on garde appuyé et ça vous déclenche en plus des méga combos de bonus de la folie, de la mort qui tue, qui pulse avec des icônes de ouf, on vous les tue, et bien on voilà plein. Et oui, les patons. Et je crois que Madame Tortue, c'est ça, Madame Tortuga? Faire ta tête. Mange! Ouh, quelle était vilaine. Ah, je crois qu'elle a moyen aimé ça. Ah, je me suis un peu jeté dessous par contre. Tu vas me faire l'occasion de tester la super bombe ou pas? Eh bien, ce sera ou pas. Dommage, Eliane. Donc, c'est du très joli quoi. Alors, Dimao, ça va être dur de dire. Ouais, non, déjà vu. Alors, oui, c'est déjà vu. Mais il y a une bonne souplesse déjà dans le jeu qui fait qu'il est super maniable, c'est agréable. Après, il y a plusieurs façons d'y jouer. Hein. Donc, il y a des gens qui peuvent y jouer plus finement que moi. Ça sera pas très très compliqué d'ailleurs. En s'amusant à collecter les bonus pour remonter la jauge et faire que des coups de Trafalgar à coups de tir chargé. Il y a des gens qui peuvent jouer le slalom.
Comme on vient de le voir, mais c'est marrant, j'accompagne bien aujourd'hui le stream avec l'illustration parfaite de ce qu'il faut presque pas faire. Ouf, je vais pas durer longtemps si je continue à jouer comme une merde comme ça. Ah, je pense qu'il l'a senti celui-là. Ah, par contre, moi je vais en sentir un autre. Ne reste pas au milieu, 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 ne reste pas au milieu. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut pas que je reste au milieu. Oula, c'est ça, casse-toi, pauvre lâche. Alors, les pièces jaunes avec les petits tirs jaunes, il y a des moments, c'est un petit poil limité. Alors, le fond rouge, je veux pas dire, je veux pas faire mon dalto, mais quand même, les gars, pas très sympa. Ça, c'est fait, hein. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Pour l'instant. Ah, dommage. Si j'insiste à faire le couillon, ça va pas le faire. Ah bah voilà ce que j'avais pas essayé depuis le début. Oh, mais je suis avec un petit tir de merde. Et mon vaisseau bouge un poil vite. Comme d'habitude, j'ai toujours les excuses pour me plaindre. Je suis trop rusé, je suis trop malin. Ceci dit, heureusement qu'il bouge vite le bourg, parce que sinon il y aurait un gros problème quand même. Vif, ça va être le mot du stream. Vif, ce jeu est très très vif. Alors, je sais même pas si je vais vous le streamer en entier ou pas, du coup, parce que il est vraiment intéressant. Mais c'est peut-être bien de vous laisser aussi de la surprise un petit peu. Donc, on va voir comment ça se passe. Si je joue comme une burne, ah bah, je joue comme une burne, forcément. Il y a moyen que je vous lâche le jeu. Genre, démerdez-vous. Je vous ai fait goûter, je vous ai donné envie, parce que franchement, dites-moi pas qu'il donne pas envie, quoi. Le truc est très très joli, c'est bien foutu. Il y a de quoi avoir des émotions. Bien pourri ce shot. Ah, vous me direz, Monsieur K n'est pas très causant aujourd'hui. Alors oui, je suis pas très causant. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin de ce En tout cas, ce Dimaouf, il est totalement sélectionné et il est même carrément validé. Parce que dites-moi pas que c'est pas mignon. Regardez-moi ces beaux artworks qui ont pour faire les boss quand même. C'est magnifique. Avec plein de pièces partout qui bougent, qui se détruisent. Fallait que je vérifie que ça se détruit. Regardez-moi ça, comme il n'est pas content. J'ai pas vu venir ça, dis donc. Comme c'est étrange. Vas-y, princesse idiote, ressuscite-moi. Hop, je lui remets le couvert. C'est quoi ce tir pourra que j'ai? Il fut temps. Alors, heureusement que les boss. Alors, je sais pas si c'est un heureusement.
Heureusement que les boss sont pas si vénères que ça, parce qu'ils ont quand même des patterns un petit poil vicieux. Ah ok, d'accord, je tire dans tous les sens. Il m'en reste. Ils ont donc des patterns un petit poil vicelards, et c'est vrai que sur la durée, s'ils duraient trop longtemps, il y aurait moyen qu'on en chie assez rapidement. Je n'aime pas du tout ce tir, même s'il a l'air très pratique comme ça dans l'idéal. Je le trouve pas terrible, terrible. C'est un petit poil un peu trop spread, on va dire. J'arrive, les filles. Ah! Voilà, j'ai le tir moisi de moisi là pour passer, ça va être la galère. J'étais un peu concentré, mais. Alors, est-ce que je me retrouve avec un tir assez génial ou c'est encore la Miagda? Ouh, c'est joli ça. C'est très concentré, mais je pense que ça va faire un ravage dans les cours de récré. Ouh. Commode. Commence à y avoir un petit peu de monde quand même, hein. Mais arrête de me suivre, connerie de truc. Alors la musique, c'est quand même super space, c'est rigolo. Résistance, mais en vain. Vite, redonne-moi un tir d'homme, un tir d'adulte, un tir qui fait. Ah putain, j'ai raté la super pièce. Mais parfois, il vous lâche des super bonus. Alors, je ne sais pas si c'est juste des points ou si ça remonte le power. Écoutez, que je sens que si c'était pour upgrader mon armement, ça va me manquer serveurment. Ouh, la vilaine de bête. Ouh, la grosse vilaine de bête. Mais elle va faire des petits en plus, dites-moi réellement ça. Et on prévient quand on fait ses patterns, monsieur. Eh oui. Eh oui, non, mais moi je suis pas entraîné. Voilà, je vais prendre cher avec cette bestiole. C'est lequel? Je reconnais pas bien les icônes, on va dire c'est celui-là. Oui. Au moment où je tirais mon méga tir, je suis dégoûté, je suis malédiction, je suis honteux, honteux, honteux sur ce boss. Ne faites pas ça chez vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et ne vous jetez pas sous les fils qu'elle tire, les fils de tir qu'elle tire. Ah dame, comme c'est violence. Bon, c'était celui-là apparemment. On va aménager un peu la monture hein, parce que commençait à y avoir beaucoup de dégâts, je trouve. Ouh! Ouais, non, mais. Ils sont un peu perf, tes patterns, mon ami. Wopa! La vitesse du tir, mais laisse tomber, Albert! À chaque fois, je manque de sang-froid et boum, je bouge alors qu'il faut pas. Là, je vais même plus rien dire. Il n'y a rien pour me défendre.
Je n'ai rien pour justifier un tel échec. Non, mais là, les positionnements sur les toiles, j'ai vraiment du mal. C'est une bonne nouvelle que tu m'ouvres, mon ami. Bon, on va continuer, on est de bonne humeur, hein. Je pense pas que vous m'en voudrez. En général, je suis meilleur dans les niveaux pour les boss, qui eux demandent quand même un minimum de mémoire. Là, après le reste du tableau, il y a le moyen de se gérer son passage, quitte à improviser un poil et faire du à l'arrache si nécessaire. Ah! Ah, le passage va être pénible maintenant. Ça va mieux se passer. J'avais plus de bombes. C'est ce qui s'appelle se mettre dessous, ça, proprement. Oula, 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 mais commence à y avoir du monde quand même. C'est l'espèce d'étron qui tire de je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il tire. Commence à y avoir du sport quand même, hein. Un petit boss. For the road. Alors, servons-lui l'apéro déjà. Merde. Quelle déception. Je suis tristesse. Il force à se mettre dans des positions quand même très inconfortables, Pépère, là. Hein. Oula, 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 oula. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent mauvais. Wouah! Eh les gars, mollo, mollo, j'arrive moi, j'arrive. Eh oui, j'ai pas encore mis mes crocs là. Eh oui, faut que je mette mes crocs. Non, mais non, mais non, mais non, mais non! Bordel! Oh, il m'a cassé d'emblée l'aile sur le côté gauche, du coup, je faisais trop peine.
Oh. On va se calmer, les gars, là. Non! Non, 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 non. Je connais vraiment pas ces patterns. Je ne simule pas, je suis à la rue. On ne saurait être plus à la rue que moi. Et là, j'ai chopé un petit vaisseau qui va beaucoup trop vite pour moi. Ça va pas du tout. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est violent les positionnements sur celui-là. Hein. J'ai passé je sais pas combien de crédits là en 2 minutes. C'est juste terriblement violent. Bon bah voilà. Oh là 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 là, les tirs croisés, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Violent. J'ose pas imaginer ce qu'il y a après, si tant est qu'il y en a après. Il y a un après. Oula, oula, oula. Au moment où j'allais tirer ma bombe, je suis dégoûté. Ouh, pas bon, pas bon, pas bon. La perversion. Désolé, messieurs, je vais vous demander de descendre. Eh oui. On n'est pas là juste pour rigoler, quoi. J'étais un petit peu acculé dans le rang, comme on dit. Oui, j'ai bien dit acculé. Ne faites pas inventer des mots qui n'existent de toute manière pas. Hop, ça, c'est réglé. Hein. On va pas se faire des bisous quand il n'y en a pas besoin. Trop vif, ce vaisseau, trop vif. Alors celui-là, il a un tir super bombe, tout pourri, mais il est plus lent. Alors c'est vrai que les vaisseaux, il faudra que, si vous essayez le jeu, il faudra que vous preniez le temps d'essayer chacun des vaisseaux, parce que il n'y a pas que le tir qui change, quoi. Il y a vraiment, je pense, il y a peut-être le light bomb, je sais pas, à savoir. Il y a la vitesse en plus, donc du coup, ça vous fait pas mal de critères pour trouver le petit vaisseau qui vous va bien, à vous, selon votre type de jeu. Salut gros! Qu'est-ce que... On s'est pas déjà vu, non? Ah, Spiro! Ah, cha, 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 cha. Il résiste plus que tout à l'heure, lui. Hein. Là, mais on est en mode rush de boss.
Laisse tenter. Peut-être prendre un vaisseau un poil plus vif, hein, mais pas trop. Ah, purée de purée de purée de purée. Mais quelle injustice ingrate! Voilà donc le vrai dernier boss. Et il est tout petit, mais il faut se méfier de sa taille de vermisseau. Il n'en arrose pas moins l'écran, cet enfoiré. J'ai plus de bombes, j'ai plus rien, je suis à poil, autant te dire que je vais me démerder et je vais mourir. J'ai pas trouvé le positionnement du tout. Désolé, petit monsieur. Et ce n'est pas fini, mais ça s'arrêtera donc jamais. Ah, mais oui, tu es énorme, toi. Tu es gigantesque. Je sens qu'il va y avoir des patterns pourris. On veut-tu, on voit là. Genre, je vais ravaler mon butin de naissance, comme on dit couramment dans le langage technique. Bien démarré, un peu trop bien pour être honnête. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Alors les patterns qui avancent, qui reculent, non, 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 vraiment. Non, non. La vitesse! Au secours, au secours, au secours, je veux descendre. Non, 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 non. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Je meurs et c'est même pas beau. Tiens, pourriture pourrie. Je pense que c'était vraiment le dernier boss. Hein. Ça fait combien de temps qu'on stream là? Ouais, quasiment une demi-heure, oui. C'est la durée normale d'un jeu d'arcade. Type shmup, Dimaou, totalement validé. Alors je vous ai spoilé la fin, je suis désolé les amoches. Mais c'est vrai qu'il y a un plaisir de jeu qui fait que, bah, en plus n'ayant pas le problème du porte-monnaie trop avare, on a envie de voir ce qu'il y a au bout, quoi. Maintenant, se le refaire en challengeant correctement le jeu, ma foi, oui, en effet, c'est une chose qu'il vous faudra réviser. Walou walou, je vous retrouve peut-être demain à 19h, parce qu'il y a des chances que les streams s'espacent un petit peu dans les temps qui viennent. Histoire de choper un peu de recul et d'avoir d'autres jeux, voire même des jeux récents, genre si vous voulez m'en envoyer, vous retenez pas quoi. Même une clé temporaire juste pour les tester, il n'y a aucun souci.
Abonnez-vous à la chaîne, faites des petits pouces qui sont totalement ridicules, mais ça fait tellement plaisir que ce serait bête d'en s'en passer. Je vous recommande surtout d'aller sur Twitter et de vous abonner à @TheBigGameOski tout attaché. Vous pourrez récupérer quand même pas mal d'autres infos que les streams, c'est-à-dire quelques petites news de temps en temps, et puis aussi les bons plans pour avoir des jeux à pas trop rush dès que je récupère l'info. Un grand plaisir de partager toujours, c'est peut-être pour ça qu'on a inventé Internet d'ailleurs. Sur cette jolie partie bien sympatoche, ben moi je vais vous dire tout simplement au revoir et puis à tout bientôt. Donc, les horaires changent pas, dès qu'il y a du stream, c'est 19h. Peut-être que la fréquence quotidienne va ralentir un petit peu, c'est tout. Rien de dramatique. À tout bientôt, à demain normalement. Ciao!